Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo top et flop. Ça faisait un petit peu de temps quand même, hein. Donc, on va commencer par les tops et on terminera par les flops. Il y en a quand même pas mal et des marques dont on a beaucoup entendu parler dans mes flops en positif et moi j'aime pas. Donc, j'ai hâte aussi de lire vos commentaires, hein, comme d'habitude, pour un petit peu partager ensemble et voir un petit peu vous, vos réactions. Et puis, on n'hésite pas, on n'oublie pas, on like cette vidéo si ça vous plaît. Déjà, dans mes favoris, j'ai mis les fossiles que je porte aujourd'hui. Ce sont des fossiles aimantés de la marque Ardell. Je les ai reçus de la part du site France Maya et honnêtement, je les ai testés déjà deux fois. Et j'adore parce que c'est ultra facile à mettre. Ça se met en 2 minutes chrono, c'est hyper pratique et j'ai eu une belle révélation. J'utilise un pinceau spécial, hein, pas le pinceau qui est à l'intérieur. Vous avez le liner donc liquide. Vous mettez une première couche que vous laissez sécher. Pendant ce temps-là, moi je mets une petite couche de mascara, une légère couche de mascara, histoire que mes cils soient noirs. Ensuite, je remets une deuxième couche de liner juste par-dessus. Et là, je viens mettre mes fossiles aimantés. Ça s'aimante et ça tient toute la journée. Vous voyez, ça fait un regard hyper naturel, un petit peu quand même intense, sans être faux. J'adore, vraiment, je suis conquise. Je vais m'en racheter, c'est sûr. Bah, en tout cas, je vais me racheter des aimantés, mais sans forcément racheter le liner, parce que j'en ai encore une bonne quantité. Mais vraiment, je trouve ça trop pratique, trop bien, hyper facile, vraiment une vraie révélation. Je vous fais pas ça dans l'ordre, hein. Je prends ce qui vient sous mes mains là. J'ai adoré utiliser la base Glowy, là, la Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. J'ai adoré l'utiliser, surtout pendant le confinement, même avec les beaux jours, avoir un beau teint un peu glowy. J'adore, donc je l'ai pas mis ce matin, mais je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et j'ai adoré l'associer avec deux fonds de teint, donc le fond de teint de chez By Terry. Je vous en parle tout le temps, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce fond de teint. Donc c'est l'Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30, donc très pratique quand il y avait du soleil, ça permettait de protéger aussi sa peau des UV, tout simplement. Mais maintenant que je retourne travailler, je le mets plus parce que il est quand même légèrement couvrant et du coup j'aime pas trop, ça macère au niveau de mon teint et sous le masque en fait. Et je vais vous parler tout à l'heure de ce que j'utilise du coup au quotidien quand je vais travailler. Et pendant le confinement, j'ai beaucoup beaucoup utilisé aussi celui-ci, le sérum de teint effet lissant de chez Pierre Rico, qui est vraiment adapté pour les peaux matures, celles qui ont voilà des ridules, etc. C'est vraiment top top top. Il a en plus il rend vraiment un beau teint, il n'y a rien à dire, je l'adore. Et avec, j'ai adoré utiliser le soin regard 3 en 1, défatigant, lissant et anti-cerne, toujours de chez Dr. Pierre Rico. Ça c'était mon duo favori. D'ailleurs cet anti-cerne, il est vraiment bien parce qu'il est ultra hydratant, même sans le poudrer, il tient super bien, moi j'adore. Et du coup, comme j'avais pas envie de mettre parfois du fond de teint sous mon masque, je mettais ce petit produit là de chez Chanel, les beiges de Chanel, eau de teint. C'est légèrement teinté quand vous l'appliquez, il y a sorte des microbilles, hein, je sais pas si vous le verrez, il y a des microbilles à l'intérieur qui éclatent et qui teintent votre peau, mais ça va pas couvrir vos imperfections, etc. Il faut utiliser un petit anti-cerne si vous avez des grosses cernes. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce qu'il a un effet léger et sous le masque, du coup ça faisait bien, ça faisait clean, même quand j'enlevais mon masque, il n'y avait pas de traces bizarres, il tenait très très bien. Donc ça, j'ai beaucoup beaucoup aussi aimé l'utiliser. Donc ça, c'est des gros favoris au niveau du teint. On va rester dans le teint. J'ai adoré utiliser ce blush crème de chez By Terry, le Brightening CC Blush. Vraiment une grande révélation parce que moi, j'utilisais jamais les produits crème pour le teint, tout ce qui est blush, bronzer et enlumineur. Et là, grâce à ce produit-là, je m'y mets et je trouve ça tellement naturel. Je le porte aujourd'hui. C'est léger, c'est glow, c'est... Voilà, ça reste, ça fond dans la peau. Et on n'a vraiment pas cette sensation d'avoir une couche. J'adore. Et pareil, aujourd'hui, j'ai utilisé le contour, le tan contour ou contour tan. Non, contour contour de chez Huda Beauty que j'avais acheté à une soirée gold. Et pff, je l'adore. J'utilise avec le pinceau qui va avec. Vraiment, c'est un duo parfait. Certes, ça a coûté cher à l'utilisation parce que c'est pas donné quand même le pinceau et ce produit là, mais je ne regrette absolument pas. On continue dans tout ce qui est teint. J'ai beaucoup beaucoup utilisé cette palette que je vous ai fait gagner sur Instagram, vraiment tout le temps, au quotidien, dès que j'avais pas envie d'utiliser mes produits crème, j'utilisais cette palette. Pigmentation au top, même le petit bronzer là qui est pas foufou, bah il peut s'utiliser légèrement et tout, ça se travaille super bien. C'est vraiment une super super palette de By Terry. Là, vraiment By Terry, ils ont cartonné avec leur nouveauté.
Au niveau des enlumineurs, je me suis fait plaisir. J'avais trop envie d'en utiliser pas mal. J'aimais bien le glow pendant le confinement et même avec la reprise du boulot. J'étais dans le glow, dans le glow, dans le glow, puisque le masque arrivait ici. J'avais envie de voilà d'illuminer un peu cette partie-là. Donc j'ai utilisé pas mal de d'highlighter et du coup j'ai utilisé celui-ci de chez Essence qui est le Glow Light Mermaid avec un petit effet un peu queue de sirène là. Et bien écoutez, à mon grand étonnement, c'est la teinte 10 Forever Mermaid. J'ai dû l'acheter, je crois, à 60 centimes ou même pas 1€ en promo. Et ben, il est super sympa sur la peau. Il est léger, mais il est là, sans en faire trop. Il est vraiment très sympa. Si vous le trouvez en promo ou quoi, lancez-vous parce qu'il est vraiment bien. On va rester de toute façon, les trois highlighters, c'est des petits prix. J'ai acheté sur Boozy Shop cette palette-là que j'ai découverte et qui est vraiment vraiment super bien. Vous avez deux highlighters à l'intérieur, un peu champagne et un peu rosé. Soit je mélange les deux, soit j'utilise soit l'un soit l'autre selon mes envies, mais j'ai souvent mélangé les deux. Et le glow est top, ça reste discret mais en même temps il est là, c'est naturel, il n'y a pas de paillettes, j'adore. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, s'il y a des petites choses qui vous plaisent. Comme je vous le dis souvent, certains liens sont affiliés, c'est normal, ça me rapporte des petites commissions de 50 centimes, 1€ ou même pas, hein, même des fois 10 centimes, mais voilà, ça me permet voilà, d'avoir une petite cagnotte. Je vous mets tout ça en barre d'infos et pour finir, l'enlumineur Wet n Wild de la collection Bretman Rock. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous le remettrai là, c'est un make-up blabla et... Alors j'ai surtout utilisé la teinte la plus claire, hein, qui est donc ici il y a une teinte rosée et il y a une teinte un peu champagne. C'est un mélange de... Alors, je vais essayer de vous faire un swatch si j'y arrive parce que c'est vraiment poudre-poudre. Hein. C'est un mélange de paillettes dorées. Ah ouais, vous le voyez super bien. Et en même temps il est vraiment glow. Il y a les deux quoi. Là il y a de la paillette mais en même temps il y a du glow de dingue. Il s'estompe très très bien, il est... Il est sublime, il est sublime, il est sublime. Celui-ci, je l'utilise aussi quasi tous les jours. Hein. J'alterne entre les trois en ce moment. Je vais changer hein, ma routine. Quand je vous fais cette vidéo, ça me permet un peu de changer ma routine et d'utiliser des nouvelles choses que j'ai à tester. Mais voilà, il fallait que je vous en parle. C'est des vraies pépites. Sur les yeux, j'ai beaucoup utilisé ce petit fard-là. Je ne sais pas trop c'était quelle marque. Ça, c'est un petit fard Illuminate Intimate Spotlight. Je crois que c'était de la marque Kardashian ou quelque chose comme ça. C'est ma petite Olivia de la chaîne Olivia More qui me l'avait offert dans un petit colis. Et c'est un truc un peu rose, voilà. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'est lumineux, voilà. Sur la paupière, j'ai adoré l'utiliser. C'est un peu rosé, lumineux. Je mettais ça en aplat avec après avoir fait un petit creux. Bah, voilà. Très pratique quand on avait quand on est pressé, qu'on n'a pas envie de faire un make-up de dingue. J'ai adoré l'utiliser. Et en palette, j'ai beaucoup utilisé cette palette là de Sample Beauty, je vous en avais parlé. Je l'ai reçu de la part de Beauty Bay. Je vous avais donné un code promo mais je ne crois pas qu'il soit encore valable. Mais en tout cas je vous mets le lien en barre d'infos. Elle coûte que 24€ et elle est juste divine. Voilà, je vous la montre. Je vous en ai parlé dans quelques vidéos déjà. Mais j'ai adoré utiliser ces couleurs là. C'est des sortes de toppers avec des reflets de dingue. Ils ont une texture de fou. Mais cette palette, même les mattes sont super bien pigmentées. Il y a de quoi faire des jolis make-up. Il manque juste une couleur chair en fait. C'est juste le truc parce que celui-ci, on ne peut pas vraiment l'utiliser en couleur chair. Celui-ci non plus. Il manque une couleur chair, une couleur peau quoi. Histoire de bien estomper au niveau du ras de cils. Mais sinon, le reste est divin. Il me reste deux petits produits dans les favoris et après on passe à mes flops. Dans mes favoris pour terminer mon teint, j'ai adoré terminer. Alors on dirait pas, j'ai utilisé quand même une bonne semaine. J'ai adoré utiliser le Jungle Glow, non le Jungle Rock. La poudre fixatrice mais qui fait 3 en 1 que vous pouvez mettre avant le make-up, après le make-up. Et elle est vraiment bien, alors ça vous donne du glow de dingue. C'est la collection Wet n Wild Bretman Rock Jungle Rock. Je vais y arriver. Je vous en ai parlé dans la vidéo, hein. C'est la même collection que celle-ci, hein. Vraie jolie collection. Et ce produit-là, j'ai adoré. Ça vous donne un glow et ça tient bien le make-up je trouve. Mais ça vous donnait une sorte de glow là, vous. Fallait aimer scintiller. Celle qui aime les teints mat, non, ce n'est pas ici que vous allez trouver des choses pour vous. Parce que moi je n'aime pas le teint mat. Et ma petite Stacy de la chaîne, les rendez-vous de Stacy, je vous la mettrai, on a fait un swap ici, je vous le mets ici. Elle m'a offert ce parfum là de chez Nina Ricci. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le Nina Rouge ou quelque chose comme ça. Je vous retrouverai le nom, oui c'est ça, Nina Rouge. Eh bien... Écoutez, c'est une odeur sucrée, divine. J'ai adoré l'utiliser tout le temps. Je sais pas combien il en reste. Oh, il est un petit peu au-dessus de la moitié, hein, vous voyez. Je l'ai beaucoup utilisé et je vais continuer à l'utiliser. J'ai adoré. Dans mes favoris, j'ai oublié de vous parler de cette petite merveille. Là, d'ailleurs, elle est toute beurk là parce que je l'ai touchée avec mes mains sales. C'est la crème Hydra Aloe Vera, soin nutritif réparateur de Sobioéthique. Et cette pépite,
Je l'avais laissé dans mes placards, je l'avais oublié. Et puis là, je l'ai ressorti pour la nuit. D'ailleurs, comment ça se finir? Et j'adore l'odeur, j'adore. C'est un vrai coup de cœur. Elle hydrate super bien votre peau. Elle a une petite odeur sympa. Et c'est une crème. Ce n'est pas de l'aloe vera transparent. Vous savez, cette texture d'aloe vera. C'est à base d'aloe vera, mais ça reste une crème hydratante. Je l'adore. Vraiment, en tant que. Avec ma peau sèche, elle est divine la nuit. On passe au flop. Oui! J'ai quand même des petits flops dont je voulais vous parler. Déjà, le fameux anti-cerne de chez Yves Rocher, tout le monde en a parlé en disant qu'il est super bien et tout. Bah écoutez, j'arrive pas. J'arrive pas. Déjà, la teinte, je suis pas sûre que ce soit la bonne, mais bon, ça, c'est pas un souci. Je trouve que si on le poudre, et bah, tout de suite, il va dans mes ridules, il me fait un effet vieille fille. Vous savez, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir un dessous de l'œil de mamie, quoi. J'aime pas du tout. Et du coup, j'utilise vraiment avec des toutes petites touches, avec ce produit-là, là, de chez Chanel. Je fais un duo comme ça passe, mais c'est pas coup de cœur, quoi. Donc non, pour moi, c'est pas une grande révélation, même s'il est pas cher, c'est pas une grande révélation. C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup de lui. Dans mes flops, je mets ce produit-là que j'ai acheté sur Boozy Shop. J'adore cette gamme-là, hein, de chez Milani. C'est un blush qui est en forme de rose, c'est le Rose Powder Blush. Là, c'est la teinte 12, c'est dans leur nouvelle collection. Et honnêtement, la teinte 12 n'est pas pour moi, c'est une sorte de teinte épicée. Mais c'est une sorte de. Je sais pas si vous voyez un peu. Oh, je sais pas comment la décrire, cette couleur. Elle est un peu terre. Une sorte de corail foncé terre, quoi. Et ça me va pas autant, ce genre de couleur, ça me va pas. Je sais qu'il y en avait certaines qui étaient intéressées par cette teinte. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Insta ou par mail. Si ça vous intéresse, parce que je vais le mettre, je pense, sur Vinted. Ça me va pas au teint, malheureusement. C'est pas fait pour moi, cette teinte-là. Mais cette gamme-là est vraiment bien chez Milani. Dans mes blops, oui, mes blops, les mi-flop, mi-top, cette palette de Natasha Denona. Moi, je suis une grande, grande fan des mini-palettes de Natasha Denona. Et la mini-rétro, pareil, je vous la fais gagner sur Insta si ça vous intéresse. Mais bon, je crois que ça sera trop tard maintenant. Quand cette vidéo sera en ligne, ce sera trop tard. Mais il faut me suivre sur Insta si ça vous intéresse, ces petits concours avec des petites palettes de folie à gagner. Et je l'aime beaucoup, mais il y a du flop dedans pour moi. Déjà, ce fard-là, il est juste divin. C'est celui que je porte sur mes paupières aujourd'hui. C'est le fard un peu kaki lumineux, mais celui-là, c'est une merveille. Juste pour ça, il faut avoir cette palette. Juste pour ce fard-là, qui est une tuerie. Mais je trouve que les deux fards mat, l'espèce de kaki là et le rose, ils sont pas dingos. Heureusement qu'ils sont là pour pouvoir estomper, hein. Mais je trouve qu'à l'estompage, ils sont pas facile, en tout cas pour moi. Le fard lumineux rose là, il faut l'utiliser en topper parce que comme ça, il n'est pas foufou. Hein. Il n'y a pas. Je sais pas comment vous dire, mais. Il n'est pas ultra méga pigmenté quoi. Il faut vraiment l'utiliser en topper. Je vous fais deux petits swatchs. Vous voyez déjà le vert là? Oh, avec les paillettes, il est juste magnifique. Et en plus, c'est des paillettes, mais ça. Ça éclate, ça ouvre le regard. C'est juste dingue ce fard vert. Et voilà, le petit rose, il est mignon. Il est lumineux, mais il faut l'utiliser en topper, par exemple, par-dessus ce fard mat rose. Et le dernier, c'est pareil aussi. Je sais pas trop quoi en penser. Il est mignon, mais il est beaucoup plus pigmenté. Hein, vous le voyez, il est là. Je sais pas si vous voyez bien. Il est plus pigmenté, mais c'est pas. Voilà. Il est beaucoup plus pigmenté. Il est très sympa. Hein, mais voilà, je suis mitigée sur cette palette. J'aime quand même beaucoup, hein, je vais la garder, je vais pas m'en séparer parce que il y a vraiment ce fard vert qui est juste divin. Il me reste un produit make-up dont j'ai envie de vous parler dans mes flops et après ce sera des soins make-up, entre guillemets, il y a du soin, il y a du make-up. Cette pochette By Terry, je l'ai achetée il y a pas très très longtemps, j'ai testé et j'ai été déçue. Alors je vais continuer à tester quand même encore une ou deux fois histoire de me faire un avis définitif, mais pour l'instant ce que j'en ai testé, j'aime pas. En fait j'ai testé, vous savez, les fameux fards à paupières comme ça en crayon. Là, c'est la teinte, si je ne me trompe pas, la teinte 4 Bronze Moon. Je vous ai fait plein de swatchs, là. Alors, c'est une teinte qui est superbe. Elle est là. Elle est vraiment superbe. Elle reflète bien la lumière. Ça s'étale hyper facilement sur la paupière. C'est super sympa à utiliser. Mais au bout d'une heure, moi, elle a direct creusé. Alors, il a fait un petit peu chaud, certes. Mais bon, pourquoi au bout d'une heure, ça a direct été dans mes plis. C'était pas beau. Et du coup, après, j'ai dû réestomper et il n'y avait quasi plus rien. Donc, je vais la réutiliser plusieurs fois. Mais là, je me suis dit quand même, pour le prix de ces trucs-là, on en a inventé que des mérites, j'en ai entendu que du bien. Bah j'étais un peu mitigée. Et dans cette pochette-là, il y avait ce produit-là. C'est le Brightening CC Serum, le soin éclat intense de chez By Terry.
Et je l'ai utilisé, j'ai pas été conquise, j'ai trouvé que ça avait rien fait de spécial à ma peau. Je m'attendais à un peu plus de glow, un peu à la Hollywood Filter là, de chez Charlotte Tilbury, celui-ci. Je m'attendais à un peu de glow comme ça, mais avec cette teinte là. Et en fait, non. Bah, ça a rien donné sur ma peau. Alors, je sais pas, peut-être que je l'ai mal utilisé, donc je vais encore le retenter. Hein. J'ai testé que 2 fois. C'est censé être correcteur de couleur. Bah écoutez, je sais pas, j'ai pas vu de choses, ça m'a pas transcendé, donc je vais retenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si vous avez déçu ou si vous avez une manière de l'utiliser mieux que la mienne, on sait jamais. Mais moi j'ai été un peu déçue. Et pour finir dans le make-up au niveau des flops, c'est le Ocean Feel, comme ça, c'est un fluid foundation. Bah écoutez, sur moi il tient pas, c'est un SPF de 30, donc je trouvais ça pas mal. Je l'ai pas payé très très cher hein, chez Kiko, c'était en promo. C'est la teinte 03, donc je la gardais pour l'été, quand je bronze un petit peu, ça peut être très sympa, mais au niveau du nez, tout part, mais vraiment tout part d'une façon un peu dégueu hein, quand même. Il tient pas trop, pourtant j'avais pas mis de masque quand je l'ai utilisé et il a pas tenu. Donc je me suis dit non, celui-ci c'est pas pour moi, il est pas foufou quoi, même en CC crème, en bébé crème, non, il est pas terrible. Passe à du soin au niveau flop, j'ai quasi terminé hein, cette crème-là de chez Sephora, la crème corps illuminatrice. Je l'aime bien, mais en même temps je ne l'aime pas. Je l'aime bien parce qu'elle a des nacres un peu rosées. Quand vous la mettez, c'est joli, donc faut la mettre un peu sur les bras. Mais elle n'hydrate pas du tout. Alors en fait, elle a du mal à pénétrer déjà. Elle vous laisse un gros film blanc quand vous en mettez un chouïa trop. Donc ça, je trouve ça pas terrible, ça m'énerve. Et en plus de ça, j'en ai mis sur mes jambes et le lendemain, j'ai vu que mes jambes elles craquelaient. J'ai pas compris. Alors que j'avais bien hydraté avec ça. Donc je pense qu'elle n'hydrate vraiment, vraiment pas assez pour mes jambes. Pour la saison estivale, ça c'est pas assez en fait. Ça donne du glow, mais vous devez vraiment hydrater avant avec autre chose. Et du coup, ça, je trouve ça dommage. Et pour finir, j'ai un déodorant Schmitz, la fameuse marque bio. C'est les déodorants en version bi comme ça. Et ben écoutez, sur moi ça n'a pas fonctionné. Ce déo, alors en version basique normale, je suis un petit peu allergique à ce produit-là. Donc j'ai voulu utiliser en version bi, j'ai pas eu d'allergie. Mais ça n'a pas fonctionné, je sentais fort la transpiration en fin de journée et c'est pas ce que je veux, hein. Moi j'ai besoin d'un déo qui va vraiment empêcher cette odeur. Parce que je transpire pas beaucoup, mais dès que je transpire un tout petit peu, ça sent fort. Donc du coup, celui-ci il a pas marché sur moi du tout. C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup. En plus, j'ai pas payé trop cher sur Beauté Privée. Et ben voilà, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Moi, je vais continuer ma recherche de déo parfait. J'ai testé aussi ce produit-là de chez Kiko, qui est le Sicilian Note Cleanser, donc une sorte de nettoyant et en même temps un petit peu gommant. Je l'ai acheté en promo autour de 6 €, un truc comme ça, et honnêtement j'étais très déçue. Je trouve pas qu'il nettoie bien la peau, il a une bonne odeur, hein, mais bon, au final sur la peau, quand on sent comme ça, ça sent frais, un petit peu les agrumes, et puis au final quand tu l'utilises en nettoyant, pas en démaquillant, en nettoyant, je sais pas, l'odeur elle vire, elle tourne, je sais pas, ça sent moins bon on va dire. J'ai pas trouvé top top au niveau du nettoyage, mais au niveau du gommage il y a quelques petites billes entre guillemets à l'intérieur qui vont gommer, mais en fait ça fait pas vraiment un gommage, donc je sais pas trop à quoi il sert ce truc. Il est censé être nettoyant en même temps gommant, mais en fait je trouve qu'il fait ni l'un ni l'autre, donc j'étais extrêmement déçue par ce produit. Voilà pour mes favoris et mes flops. J'espère que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à partager vous aussi vos derniers flops, vos grosses déceptions, surtout quand ça coûte cher, comme les By Terry, etc. Il y a des belles découvertes chez By Terry et puis pour moi, il y a des vrais flops. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si ça a été votre cas, de votre côté, si vous avez découvert des pépites ou si vous avez été déçu par des marques de dingue, genre Too Faced ou quoi. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Je pense que ça nous intéressera toutes. Et puis, on se retrouve très très prochainement pour une future vidéo. On like et on s'abonne si c'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous. Salut !